Bonsoir à tous. Alors, ce soir, aujourd'hui, j'ai pensé vous apprendre le morceau super connu que vous connaissez, puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Donc, en gros, ça va donner quelque chose comme ça. Alors, le morceau, il est super facile. Il n'y a pas de dièse, il n'y a pas de bémol et il y a beaucoup de répétitions. Déjà, le couplet, c'est deux fois la même chose. Donc, on va partir du mi. Le mi, vous cherchez les deux notes noires. Vous avez le do, qui est la première note, et le mi, do, ré, mi. Donc, le mi, deux notes noires, c'est la note blanche qui est en dessous des deux notes noires. Et cette note, le mi, on va la jouer sept fois. Je ne l'ai pas fait le nombre de fois qu'il faut, mais on va la jouer 7 fois. Et sachez qu'au début, je vais vous apprendre les deux mains en même temps. On va se mettre la main gauche sur le do. Donc c'est pareil, deux notes noires, la note d'en dessous. Moi, je joue souvent, il ne faut pas s'inquiéter, plusieurs do, plusieurs ré. Mais en fait, le principal, c'est de jouer la note de l'accord. Donc là, par exemple, c'est le do. Donc on va jouer le do à la main gauche et le mi à la main droite. Donc j'ai joué 7 fois le mi et après je suis descendue sur le ré et sur le do. Et ma main gauche, mon doigt gauche n'a pas bougé. Pouvez jouer autant de fois que vous voulez dans la mélodie, c'est vous qui voyez pour faire joli en fait, hein. Donc le début, vous l'avez déjà, j'allais dire. Voilà pour le début. La suite, donc on va se mettre sur le mi. Do, ré, mi, ici, la main gauche, et donc mi, et après on va aller sur le sol, et on va jouer 5 fois le la. Donc au début on était sur le mi, on est descendu, après on s'est remis sur le mi, et on est monté sur le sol, on a laissé le fa, on l'a joué 2 fois le sol. Et 5 fois le la. Donc. Et là, on va descendre la, sol, la note à gauche. Et on va laisser le fa pour jouer le mi. D'accord? On refait la main droite. Alors, avec la main gauche, on a vu tout à l'heure qu'il fallait jouer le do. Pour le début. Et la deuxième fois où on joue le sol, la main droite, on va jouer avec la main gauche le la. Donc je vais le jouer ici. Donc moi au début c'était. Deuxième fois que je joue le sol, je me mets sur le la. Trois notes noires, la note en bas à gauche des trois notes noires, le la. Donc. Deuxième fois. D'accord? Après, on continue avec la main droite. On se remet sur le mi. On laisse toujours le fa de côté, décidément. Et on va sur le sol. Deux fois le sol. Et après, on va sur le la qu'on va jouer cinq fois. Donc, je reprends depuis le début avec la main gauche. Là, bientôt on aura tout le couplet de la musique. Donc une fois que vous aurez appris ça, donc avec la main gauche on était où? On a été qu'on avait vu déjà le do. Après qu'on se mettait sur le la. Et la deuxième fois qu'on joue le sol, on va se mettre sur le fa avec la main gauche. Donc le fa, trois notes noires, vous mettez sous la note en dessous. Donc, avec la main droite,
descendre, donc sol deux fois, fa trois fois, deux fois, pardon, si je sais plus compter, mal barré. Donc sol deux fois et fa deux fois. Donc. En fait, quand on descend, on joue le sol deux fois, le fa deux fois et le mi deux fois et le ré deux fois. D'accord? Vous descendez, donc descendre, ça veut dire aller vers les notes les plus graves. Donc on descend vers la gauche, vers les notes les plus graves, en les jouant deux fois. Donc je reprends depuis le début, mais comme ça, au moins, je suis sûre que ça va rentrer et que vous allez être fiers de jouer ce beau morceau. Maintenant, on va refaire un point sur la main gauche. Donc au début, on sait qu'on est sur le do. Après, sur le la. Pareil. Hein. Quand on descend avec notre main droite pour aller sur le fa, la deuxième fois qu'on joue le fa, on va aller sur le ré. Donc on descend, on était sur fa, mi, ré. Et on rejoue le ré quand avec la main droite on joue la même note. Donc quand on était sur le la et à ce moment-là on avait la main gauche sur le fa. Après bon ça reprend. Hein. Donc on reste sur le ré à la main droite. On le joue 5 fois. Et après on monte. Donc on était sur le ré et on est monté mi, fa, sol et le sol on va jouer 4 fois. Donc on était sur le ré. Et on va redescendre sur le do. Donc le do, vous rappelez, hein, vous repérez aux deux notes noires et vous mettez en dessous. Le morceau est bientôt fini. Donc on a été où? Oh ben vous savez quoi, on va reprendre depuis le début, comme ça on va jouer doucement pour que tout le monde suive. Donc depuis le début. Donc on est sur le ré, et là on va faire pareil comme d'habitude, on va monter mi, mi fa sol, et le sol on va jouer 4 fois, et on terminera avec le do. Donc si on reprend la moitié du morceau, quand j'ai joué le do, je me suis mis sur le fa, trois notes noires, la note en dessous. Et là, pour ce tuto, on arrête la ra là parce que c'est déjà très très bien si vous arrivez à faire ça et ça sera déjà très joli. Et on verra la suite plus tard. Je vais vous rejouer le morceau une première fois doucement et après je le jouerai normalement. D'accord? Allez, go! Donc vous inquiétez pas, moi si vous me voyez faire des mains comme ça ou vous voyez pas les notes, c'est juste que je joue un do ici, un do ici, un do ici, un do que vous voyez pas. C'est toujours les mêmes notes que je joue et c'est toujours ce que je vous ai dit. C'est parti. Dernière fois et après ça sera à vous de jouer et à vous de faire écouter ça à vos amis. Allez, c'est parti.
vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!